Tous, on le dit, hein, c'est vrai beaucoup depuis malheureusement qu'on a appris la triste nouvelle, mais on a tous perdu un pote, un père aussi parfois, parce qu'on le regardait avec beaucoup d'admiration, un oncle, celui avec qui on aurait bien été se faire une bouffe, parce que Dieu sait qu'il aimait ça, avec tous les copains. Voilà, lui, ce qu'il aimait, c'était les blagues et les copains. Donc forcément, ça fédère beaucoup, et il a par exemple beaucoup plus fédérateur en effet que peut-être un Alain Delon qui a juste cette image peut-être un peu plus distante, mais qui est un aussi grand acteur, évidemment. C'est simplement que voilà, c'est ce côté populaire. Il n'y a que Belmondo qui l'avait à ce point. Et à qui il répondait toujours gentiment. Moi, je l'ai vu faire 10 fois, ça. Hein. Alors qu'il y a d'autres très grands acteurs qui sont quand même un peu plus distants. Mm-hmm. Bon. Ça, c'est de l'improvisation. C'est mythique, Antoine. Elle, très libre et très en phase, en fait, avec l'époque pré-mai 68. Tout le monde le... Le grand public aussi retient vers un cinéma plus populaire. Et là, il fait exploser le box-office. Oui, c'est plus de 130 millions d'entrées.